Salut à tous, c'est Sikouk, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une pizza roulée. Restez avec moi, la suite en vidéo. Il va nous falloir du lait, de l'huile végétale, de l'eau chaude, du sucre et du sel, de la levure boulangère et de la farine. On met ces éléments dans le saladier. Et on mélange bien. Puis on va ajouter la farine et bien l'incorporer. Ensuite, on va la laisser lever pendant 30 minutes. Pour la préparation de la garniture, on va utiliser de la charcuterie, du fromage râpé, de la sauce tomate, des poivrons et un demi-oignon. On va commencer par couper nos légumes. Ensuite, on farine le plan de travail et on aplatit la pâte. Une fois fini, on étale bien la sauce tomate. On va également ajouter les oignons et les poivrons. Et pour finir, on met la charcuterie et le fromage. On enroule tout doucement. On badigeonne pour une cuisson dans le four à 185 degrés pendant 35 minutes. Notre pizza roulée est prête, ça sent très bon. Voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous avez bien aimé. Au revoir et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À très bientôt.